aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente des idées cadeaux à faire à des enfants de 0 à 3 ans. Donc je vais juste faire un petit disclaimer avant de commencer. C'est vraiment de mon point de vue à moi, donc de mon ressenti à moi par rapport à l'évolution de mon fils de 3 ans. On peut pas offrir les mêmes cadeaux à des enfants au même âge, c'est pas possible, c'est suivant vraiment leur évolution. Mais c'est pour vous donner une idée, après vous prenez pas, c'est comme vous voulez. C'est parti, on y va! Donc de 0 à 3 mois, c'est plutôt l'éveil avec les parents. Il n'y a pas trop de jouets que je vous conseille à cet âge-là, parce que c'est plutôt le monde qui les entoure, ils ne voient pas grand-chose à cet âge-là. De 3 à 6 mois, ils commencent vraiment à regarder un peu autour d'eux sur leur tapis d'éveil, les nounours, les sons, la voix de maman, de papa, enfin bref, tout ça. Ensuite, de 6 mois à 12 mois, alors là ça commence un petit peu plus à se développer, ils commencent à se retourner, enfin ils se retournent un peu plus tôt, mais ça dépend vraiment des enfants, donc je prends large, ils commencent vraiment à se retourner, à 11 mois ils commencent à se mettre debout, à marcher, le mien il a marché à 11 mois par exemple, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les jouets, bah, de 6 à 12 mois, moi je me souviens qu'il avait Mickey qui parle. S'il parle encore, s'il entend plus. Le soleil chaud du matin brille à l'horizon. Mickey sort de sa maison. Le soleil chaud du matin brille partout ici. Sors de ta maison, toi aussi. Ça l'intrigue. La lune et une étoile. Oui, les pédales sont fatiguées. Donc, ça commence à les intriguer. Ils se demandent ce que c'est, pourquoi ça parle. C'est plein de couleurs, c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup pour les éveiller à partir de 9 mois, c'est vraiment très sympa. Ensuite vous avez bien sûr les hochets qui font du bruit. Ça c'est pas mal aussi, c'est très rigolo. Parce que du coup ça leur fait entendre des sons, c'est vraiment très sympa. De 9 à 12 mois, ils commencent à s'intéresser, à toucher à tout, à regarder ce qui se passe autour d'eux, c'est vraiment super chouette. Les petites voitures avec Donald, avec Mickey, il y en a plein de toutes sortes. C'est vraiment super intéressant pour les faire toucher, manipuler, commencer la motricité. Alors je sais, vous allez me dire, c'est un peu tôt, 9-12 mois commencer la motricité, mais plus c'est tôt et mieux c'est. Et après, ils pourront se débrouiller tout seuls. Enfin, c'est pas le but qu'ils se débrouillent tout seuls trop tôt non plus, mais ça peut être pas mal. Voilà, c'est quand même intéressant. Ensuite, à partir de 12 mois, alors normalement ça va jusque là, mais je ne sais pas où mon fils a mis les autres, donc normalement c'est un truc qui l'empile comme ça, donc ça tient pas, et après ils peuvent mettre dedans comme ça. Pour la motricité c'est vraiment top, à partir d'un an c'est vraiment très chouette, je crois d'ailleurs qu'il les a eu c'est un an. Vous avez aussi le petit cube, très intéressant, où il y a tout, il y a de la couleur, il y a de la manipulation, c'est vraiment super chouette, c'est le baby cube d'éveil de VTEC. Alors, il s'en est servi de ses 18 à ses 24 mois à peu près, de ses 18 à ses 2 ans. Aujourd'hui ça ne l'intéresse plus parce que bah, il a 3 ans, il va à l'école, donc il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Quand il commence à se mettre debout, il y a vraiment un truc très sympa, c'est la table d'éveil. Alors franchement, je vous la conseille, c'est vraiment génial. Alors moi, il a passé des heures et des heures dessus. Après, il y en a de toutes sortes, mais celle-là, c'est une Winnie qu'une de mes meilleures amies m'a offerte pour ses 1 an, je crois bien. Il l'a gardée très longtemps, même encore maintenant, ça lui arrive de jouer avec. Alors c'est vraiment super chouette, il y a plein de trucs à manipuler, il y a de la couleur, il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a des sons, vous voyez le son des abeilles, c'est vraiment super chouette, moi j'adore, je suis vraiment fan de la table d'éveil. D'ailleurs ils peuvent se tenir dessus, donc pour être debout le plus souvent possible, parce que quand ils commencent à être debout ils adorent ça, c'est vraiment super intéressant, je suis vraiment fan de la table d'éveil, c'est vraiment un truc que j'adore.
Ensuite, quand ils sont un peu plus grands, toujours entre 12 et 18 mois, après ça dépend de l'évolution de votre enfant, ce qu'il aime, s'il n'aime pas, ses préférences. Moi je vous conseille l'imagerie des bébés. C'est vraiment super chouette. Là, celui-là, c'est le corps pour leur apprendre. Vous voyez, les oreilles, les cheveux, les bras, les jambes. Au début, ils vont pas trop savoir ce que c'est, mais après, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça leur permet de découvrir ce qu'ils ont, en fait. C'est vraiment chouette. Les couleurs. Après, il faut que votre enfant soit intéressé. Faut pas l'obliger à regarder un truc alors qu'il n'en a pas forcément envie. S'il est intéressé, vous le faites. S'il n'est pas intéressé, vous laissez jouer. Il y a des trucs, d'autres livres que moi je trouve super sympa. C'est toujours dans l'imagerie des bébés, il y a une vraie collection. Ça, c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, quand bébé a faim, qu'il... Donc, je disais, vous avez aussi ceux-là qui sont très sympas dans la collection... L'imagerie des bébés à la ferme, dans les champs, pour apprendre le bruit des animaux, c'est vraiment trop drôle. À partir de 2 ans, vous pouvez commencer à jouer de la musique, même avant, si ça l'intéresse. Moi je sais que ça l'a même intéressé à 12 mois, à 18. Pendant très longtemps, il a fait du bruit. Donc avec la musique, c'est super chouette. Vous pouvez aussi, à 2 ans, l'initier au puzzle. Alors, il adore, même encore maintenant, les puzzles. Il adore ça. Alors, ceux-là, c'est des grosses pièces faciles à manipuler. Vous voyez un peu? Je sais pas si vous... Voilà, c'est vraiment... des grosses pièces à manipuler, c'est vraiment super chouette. Moi, j'aime beaucoup. Ça les éveille à la motricité, au toucher, au... Et puis oui, ça fait toujours autant succès, même après des années et des années. Vous avez Le Petit Prince pour les bébés. Alors moi j'adore Le Petit Prince, donc je ne me voyais pas ne pas lui raconter avant longtemps. Donc il est vraiment vraiment super intéressant. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment l'histoire du Petit Prince mais très condensée. Il l'aime beaucoup. Je le raconte souvent. Il faut savoir que mon fils adore les livres, comme moi. Donc si vous avez un petit garçon qui est, ou une petite fille même, qui est fan des livres, pensez à lui prendre Le Petit Prince. Moi je l'ai acheté chez Cultura, Le Petit Prince pour les bébés, c'est vraiment super chouette. Vous avez aussi le loto bébé animaux, moi j'aime bien, il l'a eu l'année dernière je crois pour ses 2 ans, alors il s'est pas intéressé tout de suite, mais maintenant on aime bien jouer tous les deux à ça, c'est vrai que c'est chouette. Vous avez bien sûr pour la motricité quelque chose de super chouette que j'aime beaucoup, c'est bien sûr la pâte à modeler. Alors celle-ci c'était le coffret que je lui ai pris l'année dernière, enfin que le Père Noël lui a ramené l'année dernière, n'est-ce pas? Donc il y a des ciseaux, il y a des... pour faire des formes, tout ça, 4 pâtes à modeler dedans, c'est le kit, le premier kit pâte à modeler de chez Pédo. Moi j'aime beaucoup parce que du coup... ça l'aide à la manipulation, tout ça, c'est plein de couleurs. Moi j'adore, c'est super chouette. La pâte à modeler, c'est vraiment quelque chose de vraiment très chouette. Vous avez aussi des livres que j'aime énormément. C'est la collection Usborne. Donc c'est Où est mon avion? Où est mon pingouin? Vous voyez, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, vous avez le toucher velours. Il les adore ceux-là, même encore maintenant, il les lit. Donc c'est vraiment une très très belle collection Usborne, je vous la conseille vraiment, elle est vraiment super chouette. Où est mon avion, vous voyez, il s'en sert tellement qu'il soit abîmé. Donc vous voyez, j'adore, c'est vraiment super chouette, j'aime beaucoup. Ensuite, quand ils sont un petit peu plus grands, toujours avec la motricité, moi j'adore, c'est les jouets en bois. Je trouve ça super chouette. Vous voyez, celui-là c'est à partir de 12 mois. Mais s'il n'est pas intéressé avant 2 ans et demi, c'est vraiment... ça glisse en plus, donc ça tient pas forcément tout le temps. Ça l'énerve, c'est très drôle. Mais c'est vrai que c'est super chouette. Les jouets en bois, ça dure dans le temps, c'est écologique, c'est économique, c'est vraiment... Et franchement, c'est vraiment super chouette. Moi, j'aime beaucoup.
je vous le conseille. Après, encore une fois, hein, comme j'ai dit dans le disclaimer, vous faites comme bon vous semble. Moi, ça reste mon point de vue à moi. Voici, vous avez aussi Colorino. Alors, il l'a eu pour son anniversaire, pour ses 3 ans. C'est à partir de 2 ans. C'est vraiment super sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est la manipulation. C'est des pions à... C'est des grands pions faciles à manipuler pour les petites mains. Il y a les couleurs, il faut mettre les couleurs ensemble, c'est vraiment super chouette. C'est vraiment un jeu, c'est une de mes meilleures amies qui lui a offert pour ses 3 ans. Et c'est un jeu auquel il jouait déjà chez la nounou et il y joue toujours autant, il adore. C'est vraiment sympa. Après vous avez aussi tout ce qui est peinture, coloriage, stickers, dessins. Vous avez toute une panoplie qu'il aime aussi, que j'ai pas présentée. Vous avez vraiment, vraiment de quoi faire, de quoi offrir ce que vous voulez. Voilà, voilà. Vous avez aussi la collection des Monsieur Madame. Alors, tout le monde les connaît, ils sont intemporels, ils sont vieux, très vieux. C'est vraiment une super collection. Il les adore. Il les a tous, enfin, je lui ai tous lu au moins 2 fois. Il est vraiment trop fan. Et cette année, j'en ai trouvé plein de rigolos qui sont vraiment super sympas. C'est une collection vraiment à offrir. Alors il y en a énormément, nous on a compté, il y en a plus de 200. Mais c'est vrai que bah, moi je les ai trouvés sur Vinted, vous voyez, j'ai fait vraiment une affaire. Ils sont vraiment vraiment super chouettes. Il y a des paillettes, il y a de la couleur, il y a toujours une petite histoire très sympa. J'adore, j'adore, franchement j'adore, je suis trop fan. Nous avons ensuite mes premiers animaux à toucher. C'est vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau, c'est la collection Azou Éveil, c'est vraiment une super collection. Il y a de toutes sortes, il y a des albums beaucoup plus grands, il y a à toucher, à sentir, c'est vraiment une collection que je vous conseille. Ils sont vraiment vraiment super chouettes. Vous avez ensuite un que j'aime beaucoup pour l'aider à gérer ses émotions. À 2 ans, 3 ans, c'est vrai que c'est pas tout à fait, c'est pas facile à comprendre pour nous non plus en tant qu'adultes, donc imaginez les enfants. Donc c'est La couleur des émotions avec le monstre des couleurs. C'est aux éditions 4 fleuves, c'est vraiment super sympa. C'est un livre tout animé et je le trouve formidable. Et c'est très sympa. Moi avec mon fils de 3 ans, je lui apprends souvent, je lui dis tu vois par rapport au monstre, bah, la tristesse, quand t'es triste, la colère. Alors celui-là c'est celui qui l'intrigue le plus, c'est son préféré. Ça me fait trop rire. C'est la colère. Je lui dis, tu vois, quand t'es en colère, et ben pense au monstre des colères. Il est rouge, il est en colère, il n'arrive plus à tout gérer. C'est trop compliqué. Donc moi j'aime beaucoup, c'est très sympa. Vous avez ensuite, alors celui-là, je le trouve mais très très chouette. Il est très très beau. Au lit petit monstre, en fait, c'est un décompte pour aller au lit. C'est le petit monstre. Pompon, qu'elle s'appelle, j'adore. Et en fait, c'est pour aller au dodo. Franchement, il est vraiment super chouette. C'est un décompte de 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, eh ben, le monstre, il va au dodo comme l'enfant. Donc, c'est vraiment une super histoire à raconter. Je l'ai offert à l'année dernière à Noël. Et il me demande toujours autant de le lire. Donc, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et il existe une autre version, Oli Petite Licorne, que j'ai pas encore, mais que j'espère lui offrir très prochainement. Voilà. Vous avez ensuite pour cette année 3 ans. Alors ça y est, monsieur va à l'école. C'est très drôle, c'est très sympa. Alors voyez, je lui ai trouvé cette année un jeu d'équilibre en bois. Comme je vous disais tout à l'heure, les jeux en bois, j'adore, c'est ma passion. Stimule la motricité, la concentration, l'habileté tactique et la coordination œil-main. À partir de 3 ans et même 3 ans et plus, c'est un jeu d'équilibre. Je l'ai trouvé chez Lidl, ils font des super jouets en bois que je trouve très sympa. Il y a de tout âge, il y a de 0 à 3 ans, donc allez faire un tour là pendant les fêtes, il y a vraiment des choses sympas à Lidl. Et le cadeau, on va terminer par le dernier cadeau que mon fils m'a demandé cette année, c'est... ma fabrique à histoire. Alors je trouve que c'est une excellente idée. C'est l'enfant qui choisit le lieu, le héros, le compagnon et un objet à intégrer dans son histoire. Il n'y a pas d'onde, il n'y a pas d'écran. C'est génial quoi. Pour un enfant de 3 ans, c'est vraiment top. Je trouve ça vraiment excellent.
C'est vraiment vraiment sympa. Je suis très très contente de pouvoir lui offrir cette année. Il va être aux anges, il me la réclame depuis au moins 6 mois. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous n'aimez pas les écrans pour vos enfants, si vous évitez les ondes. Moi je sais qu'il n'a pas le droit de se servir de mon téléphone par exemple, c'est strictement interdit. Donc du coup, et bah, il me la demande et je lui dis si t'es pas sage, et bah, le Père Noël il te la ramènera pas. Voilà. Et avec, je lui ai pris le casque. Donc c'est un casque pareil, ajustable, il n'y a pas d'émission, c'est à partir de 3 ans. Et ouais, c'est drôle parce qu'il y a même des stickers à coller. Je trouve ça excellent. Qui va avec donc la boîte à histoire. Il sera dans son monde à lui, dans son histoire. Et je trouve ça vraiment super chouette. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce vert en bas. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à aller voir mes deux dernières vidéos. Bye bye.